Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur EU4. Donc, qu'est-ce qu'on faisait sur EU4? On était en train de corer les provinces qu'on avait piquées à l'Autrichien. Et on est préparé à mettre un petit peu sur la gueule du Milan, du Pape. Bref, un peu tous ceux qui s'opposent, qui tentent de s'opposer à moi. Brescia. Il va céder, regardez-moi ça. Contrat forcé, les gars nous donnent la province. Merci. C'est des hérétiques de toute façon. Le pape. Il donne Florence. Regarde-moi ce con. Même pas besoin de faire des guerres. Il y a juste à les humilier comme ça, là, à leur piquer les provinces. Et ce que je ferais, c'est qu'une fois que je vais bouffer ça, j'essaierai de taper la Savoie, la Franche-Comté, tout et tout, comme ça, histoire de remonter par là jusque. Bah, tout ça, c'est la France, hein. Voilà les lâches ici là qui sont bloqués. Les Syriens à Alep. Je le savais qu'ils allaient être rebellés. Voilà, même pas besoin de se gérer ça. Ouais, être machin là, général bidule là. Chic, les indigènes là sont convertis. Bon, on va s'occuper des sauvages, vous allez voir. Corruption, ça monte. Ouais, toujours un petit peu là. 0,11 par année. On peut les massacrer là ou pas? Ouais, allez, ça c'est beau là. Maintenant qu'on a l'artillerie, nous là. Ah, rigole-moi les gars. C'est drôle hein, maintenant que j'ai l'artillerie, ça rigole beaucoup moins en face. C'est bien que ça n'a pas été légitimé, ça crétin. J'ai pas, il faut une province ici, il faut que je mette un colon à Biloxi. Prochaine guerre, je taxe. Je menace. J'éclaire la guerre pour Trévise là. Et après, j'emparerai de Venise. Parce qu'une fois que je serai emparé de Venise là. Il y aura un intérêt. Je pense que vous aurez compris lequel. Bah, faire l'achievement déjà, hein, je vous rappelle. J'ai un achievement que je veux faire. Les deux provinces là, il faudra que je les prenne, je les prends à moi-même. Je les filerai pas à mes vassaux. On va pas faire le reste de semaine tout de suite, non, on va attendre. Qu'est-ce qu'ils veulent les nobles? Bah, ils prennent en plus, bah, allez, vas-y. En échange, je vais me filer quoi les nobles? Soutien militaire. Allez, vous envoyez les points de puissance militaire là, les gars. C'est quand la prochaine technologie? C'est dans 3 ans à peine. Intéressant de la Crimée, parfait! Bim, la Crimée, c'est à moi. Je vais raser le fort qui se trouve ici. Et tout ça, ça va être désormais des états. Et bien sûr, vu qu'il faut des fois
dépenser des points pour ça, hop. C'est pratique quand un état fait l'intégration parce que j'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Bon, le russe, il met toujours bien ou pas? Ah merde, il faut qu'on remonte nos relations ensemble. 69 seulement, c'est pas terrible. La France, t'as combien? 28 seulement? Que je remonte ça, moi, merde. On va faire un petit claim là-dessus. Cherokee sont soulevés à toucher machin là. Inno, je vais pas taper Inno ou pas? Juste pour vérifier. Putain, pourquoi j'ai pas écrit ce Belli? J'ai pourtant fini la doctrine là de tabassage infidèle. Mais la région coloniale, voilà, je peux maintenant. Je comprends pas pourquoi. Je voulais faire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, les estates. Les clercs et les nobles. Bon, les curés, où est-ce que je vais vous mettre? Vous là les nobles. Voilà. 15%, hop, ils sont contents. J'aurais bien filé, tais-toi, bien pourri pour qu'ils me foutent la paix. Hein. Bah ouais, faut quand même développer une armée dans les colonies, hein, sinon on passe vraiment pour un glandu. Volubile, amélioration de ration plus 1%, parfait. Et j'ai un marchand de plus, bonne nouvelle. Donc ça va être plutôt hop. Transfert de pognon jusqu'où? Cette transfert de pognon depuis la. On va dire depuis la. Qu'est-ce qui est le plus élevé? Et puis Constantinople, voilà, hop. Bien. Coup sabot, c'est fait. Eh ben, on va développer les autres là. Je vais en mettre une d'urgence ici. C'est Louisiane. Après, je développerai Mobile et Bayou Goula là. Pensacola produit désormais céréales, c'est parfait. Là, je verrouille la côte ici. Et après, je monterai par ici. Bon, les Norvégiens ils progressent. Et bon, ils progressent avec une vitesse de tortue. Donc, tortue géniale, c'est bon. Moi, je crains pas trop ça. Hein. Norvégienne Terre-Neuve, voilà. Ils ont deux provinces, les mecs. Je sais pas où ils vont foutre la 3ème, je vais peut-être les mettre là, c'est couillon. Ou ici plutôt, hein. C'est où ça chimue? Ah, c'est la Tricie. Ah oui, c'est là. La France étant ici contre l'Empire Inca, qui est toujours là. Il y a une question, le Portugal, il va se. Non, c'est ça le Portugal? Non. Go, où est-ce qu'est la capitale? Afrique du Sud, c'est pathétique. C'est pathétique. Oh mon dieu, la crise de rire. Allez. Navarro et Pinoy sont là, Navarro sont là.
Bim, à l'attaque. Prenez-moi ça. Brescia est légitimée, c'est parfait. La Floride faudrait quand même qu'elle ait un peu plus de troupes quand même, je ferais bien. On va le laisser en France, le diplomate. On renvoie le général ici. Nouvelle attendre l'année suivante. C'est quand je vais intégrer ce machin? 1660. T'as regardé qui l'Autriche, toi? Bah non, tu vas te faire foutre. T'es là, t'as qu'à passer par la Suisse. T'es qu'à avoir de bonnes relations avec la Suisse, mon gars, c'est tout. C'est pas un problème. La France veut pas venir parce qu'elle serait dans plusieurs guerres, d'accord. Les gars, vous êtes 3000 mais politique contre 5000 sauvages, je sais pas ce qu'il vous faut là, sérieusement. Soulèvement des criques. Nous gouvernons comme bon nous sommes. Mais bon, mais quoi penser les paysans? On va leur filer un peu de trucs. Je prends la doctrine offensive. Non, je crois que j'attends plutôt la technologie ici. Je vais pas prendre la doctrine pour le moment. Tout, j'ai pas de chance que mon roi, quand même, il va être quand même une sacrée daube en termes d'administration. Ah, les criques. Ouais, il est 3-5-2. C'est pas terrible. Hein. D'ailleurs, parlant de ça. Poétique, est-ce que je pourrais pas juste virer ce truc là? Non, je peux me roger que tous les 10 ans. Ça aurait été bien de vérifier ça avant, c'est la caille, d'accord? Chicha est tombé. On va un petit jeu qui s'appelle. On va revendiquer, regardez ça. On revendique ça. Par contre, après, regarde, tu pètes tes alliances avec les Navarro, les pieds noirs. Moins que 9€. Et t'envoies ton pognon. Et voilà, pute. Ça s'appelle le comment ne pas se prendre la tête avec les. Avec les colonies. Hop. Je crée une autre à Bayou machin. Comme ça, dès que tout sera coré, ça fera un nouveau sujet colonial. La Louisiane. C'est le Mexique. Une Louisiane, voilà les communes Louisiane, ça commence là. Non, je pourrais taper sur le Mexique britannique. Arrêtez de me faire chier avec le Mexique britannique. Alors, on va voir. Les tuites en plus. Ça comprend plus administratif, hein, voilà. Hein. Grâce au comte duc Olivares. L'esprit des lois, mais c'est Montesquieu ça! L'aspiration des pouvoirs! Oh putain! Le bouquin Montesquieu écrit avec un siècle d'avance par un espagnol. Normal. Voir une chose. Du recrutement, voilà, on va laisser tomber un peu le recrutement. S-52. Pourquoi tu aimes pas toi?
Ah, excommunié, d'accord, et c'est avec une théocratie. Voilà, Venise a été découvert, il fait machin, Venise il fait suer, gna gna. Il me sert au pape, je perds moins 5 parce que je fais souligner. Ah ouais, normalement c'est moins 10 hein. Carniole. Pas de chance les gars. J'ai pas choisi le bon jour pour vous révolter les mecs hein. On va quand même faire quelques petits claims sur l'Autriche. J'ai plus que ce big pour une guerre contre les Anglais, bah c'est pas étonnant parce que je me. En fait j'ai pas d'emmerde avec les Anglais même si je les ai mis en rival. On va dire qu'on revendique ça d'ailleurs aussi. Voilà, on va quand même montrer qu'on est quand même assez ambitieux, hein. Ouais, c'est vrai quoi. On est ambitieux, on l'est pas quand même. Donc là, on va prendre ça. Le 22. Je pense que vu qu'on va faire pas le point chez Ottoman là et on va avoir besoin de points administratifs après là. J'ai pris la doctrine, la tech, non, toujours pas. La prochaine technologie c'est quoi? C'est manufacture 1150. Est-ce que j'ai une manufacture chez moi? On va essayer de construire une manufacture chez moi là, histoire de pas trop passer pour des le clampin là. Ça coûte super cher ces conneries. Et puis j'ai oublié également le fait que j'ai des renforts en plus. Que j'ai passé la limite de troupes aussi qui aidaient pas. Plus contre la corruption. Extrêmement cher cette connerie. Byzance, ce que je vais faire avec Byzance, c'est que je pense qu'après la guerre contre les Ottomans, là ben je file 2-3 provinces et puis ben, je vassalise Byzance. Enfin, j'attaque Byzance. Ah mais j'ai fait la Hongrie, la Bulgarie à Byzance. Ou l'Albanie. Et puis les îles là aussi, les îles de Grèce là et tout et tout. Tous ces trucs à la con. Toi, je fais un petit coup de traité noir. Trévis, tu veux pas? Pourquoi? C'est qui des potes? C'est pas des grosses puissances. La France veut pas parce que elle participe à notre guerre. Ah ouais, mais aussi faut gratter la France là. C'est quand la fin de la trousse, soit 7 novembre 36. Et toi, c'est. Mai 38, ah! Tu m'intéresses. Mais là, à la limite, ce que je fais, c'est que je gratte une province, tu vois, regarde. Je te pète la gueule, voilà. Enfin, je te pète pas la gueule, et bon. Toi, c'est quand? La fin de la trousse, c'est pareil, c'est en novembre 36. À la limite, on attend. On attend et on regarde. Et on voit si on veut pas faire les vieux radins. Enfin, les vieux rapia, là, en mode, hey, je te prends ta province. Je l'avais pas vu venir, celle-là, hein. Forteresse. On peut démobiliser des forteresses, merde. T'as
coûte une fortune ces conneries-là, les forteresses. Le Bavarois, on va le dire, hop. On va le laisser. Je vais te donner un truc. Grande-Bretagne, on a combien ensemble? Moins 54? Ah ouais, d'accord, en fait, on a rien à foutre de moi. Et serait pas contre une alliance. Ah, le problème, c'est que t'es contre les Français, les Russes. Alors, vous, là. Non, pourquoi? Parce que. Ah, c'est la menace, d'accord. Tu fais éclater la guerre, est-ce que la France vient? Elle est pas chaude la France, hein. Milan. Tu fuiras pas la province? Non. Tu viens ou pas? Non, parce que tu passes pas une guerre. Oh le casse-couille. Bon, c'est quoi? J'attends de faire le claim. Ou alors j'attends encore 2 ans et puis bah, je fais une guerre contre l'Ottoman. Ouais, j'attends encore 2 ans, je fais une guerre contre l'Ottoman, je laisserai retomber la pression dans le coin. Alors on voit. Nouveau droit de douane, bah oui hein. Petite guerre contre l'Ottoman, là ça fera du bien. Vous revenez. Alors, un chasseur, ça change chasser, on va. Les jeunes hommes de Passacola sont au mieux en moitié civilisés. Ils apprennent les indigènes voisins, les admirent, et nombreux sont ceux qui rêvent d'abandonner leur foyer pour chasser et parcourir les zones sauvages au-delà de nos frontières. Si vous pouvez explorer un peu, si vous pouvez nous rapporter des fourrures. Bah voilà, rapportez des fourrures, les gars. Ils sont mobiles. Prochain là c'est Pensacola qui s'amène ici, il faut que je fasse. Je mets un à mobile et après je mets un à Bayou Gouba. Ça fera une colonie de Louisiane, la Louisiane sera dégueulasse en termes de forme. Mais on s'en fout. Tennessee. On va. Je peux toujours pas déclarer la guerre. Oh. Faire un réseau d'espionnage pour leur taper dessus. Mais aussi pour les fours, voilà. Pensacola, c'est presque terminé, regardez ça. 6-3 mois, ça va être bon. Ah, un peu plus quand même. Allez, on va dire 6 mois. Allez, hop, avant la fin de l'année. Ah, les pop-up, merde. Casse les pieds, ça. Autosuffisante, voilà, je m'en suis douté un peu. On va tout ça. On sera bientôt fini ici. On aura 2 missions là, vous allez voir. Hop, hop. Pouf et pouf. Estimation au cours, on a combien de pourcents? On a 14%. C'est fini le 3 mars 38. Et je pense. Et là, on peut prendre la technologie ici, qui sont sympas. C'est pas d'améliorer les troubles juste avant. Tertiaire amélioré. Canon de cuir toujours, canon de cuir. J'hésite quand même. On retrouve des forces, des troupes super offensives.
Non, on va prendre ça amélioré parce qu'on va faire beaucoup de prises de fort avec les Ottomans. Du coup, bah, si on prend les forts, il va falloir du défensif. C'est quoi la fin de la trajectoire? C'est 42. Voilà, wow, ça fait chier ça. Mais 38. Ah, j'ai hâte honnêtement de te mettre ça à la gueule, toi, l'Ottoman. Il y a tellement de conquêtes de province là. Et ouais, je voulais dire, allez, on va envoyer les missionnaires. Brescia, Louisiane espagnole, voilà, bim. C'est comment mon roi? Carlos. Ah bah non, le Carlos va appeler. Carlosia Española. La Carlosia, voilà. En honneur de Carlos Ier. On s'est pas foutu pour le nom, c'est sûr. Très bien que tout est terminé, voilà, ça y est. Et ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire une petite guerre contre l'Ottoman. On va dire, on va prendre quoi? On va prendre. Allez, faut un truc qui soit rapide à appliquer. Al-Saliya, voilà, c'est ici. Et les Russes, vous allez venir. Et on va relever les forts qui sont sur le terrain. Parce qu'on n'est pas stupide non plus, on va pas non plus totalement désarmer contre l'Ottoman. Surtout contre l'Ottoman en fait. Je vais venir ici, c'est le troisième. Alors là, c'est qui dirige? C'est Francesco. On va mettre Ermenlingo là, voilà, hop. Tous ceux qui sont là, on va leur dire de revenir. Tu veux pas passer pourquoi? Vous faire mettre les gars là. Faites pas suer. Allez hop, on va envoyer ce pays à la con, qui est l'Empire Ottoman. Putain, mais j'ai perdu ici déjà 52 000 hommes. Waouh, genre, le mec live. Coucou! Tu veux mes 52 000 hommes? Et les Russes, faut que vous veniez ici là, les Russes. Non, vous n'êtes pas venir là, les gars, vous allez vous barrer là. Hein. Les Russes, qu'est-ce que vous foutez? T'as passé quasi cumul, les Russes. Et pour aujourd'hui, bah, je m'arrête là. J'espère que l'épisode là vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!